famine à Bruxelles, plus de 100 personnes, et ainsi que la gestion de toutes les représentations de la GECAMINE à l'étranger, Londres, Dar es Salaam, Paris, New York, Jobourg, Ndola, et j'en passe. J'ai mis fin à ma carrière de manière, j'allais dire, convenue, de manière convenue. C'est-à-dire, on s'est mis d'accord de nous séparer à l'amiable, mon employeur et moi, parce que c'est moi qui l'avais demandé, et j'étais appelé à... C'est une petite drogue chez moi, dans la famille, et donc j'ai décidé de venir rendre de plus amples services à mon pays en politique. J'ai postulé comme député provincial, comme député indépendant. Nous étions à deux, Martin Fayoulou et moi, dans tout Kinshasa, à être élus députés indépendants. Et par la suite, j'ai adhéré à l'UNC de Vital Kamerhe, un homme que j'ai connu en 2005. Et puis finalement, j'ai aimé sa façon de faire la politique, etc. Et à partir de là, bon voilà, tout est parti très vite. J'ai été nommé président interfédéral de l'UNC Kinshasa, ensuite porte-parole de l'UNC et de Vital Kamerhe. Et après, par la grâce du président de la République, suggéré sûrement par le président national Vital Kamerhe, le président de la République a fait de moi son ministre d'État. Sur le vif, Sobien, la première rubrique de cette émission qui se veut un regard tourné est sur l'actualité brûlante. Et l'actualité brûlante, c'est l'adresse à la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une autre partie de l'actualité brûlante, Sobien, la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle est en rapport justement avec l'actualité. Thierry Kamboundi vous pose la première question. Aux téléspectateurs, j'ai dit que cette émission est bilingue. Thierry Kamboundi. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Mokonzi Mboka, à l'Obaki vendredi. Grande annonce, Naya Lobby a commencé la concertation nationale à partir de Poso Ekoya. Pour Nakosala Nasuka, Oya Bengi, Union sacrée de la nation. Yamboteto Kotanabo Zindo, ya concept Wana. Et qu'on se mette en place ndenge nini. Poto yebi déjà configuration politique nambo kanabiso ndenge zali ndenge ba élection pesa biso. Le quoi le bosso la roloba na rensi mo konjambo a surprendre batunyoso. A surprendre bato ba kansa ba yebi ba découvrir que ba yebi est bien té. Dans ce qu'il a de profond. C'est-à-dire l'amour de son peuple. Yami balé à surprendre bato na ndenge bato bazayi ko zilaye ba okanisa a rosloba magamorbo njoka magamorbo ezana ngo yangote yami sato a paralysé par l'attente vie politique mobimba ya mboka nani azalaki te nani alingaki te akende kotala Bayern na la Real na Barcelone ba kosa donc batu tout devant petit écran ba linga ba yeba a roloba nini. Et en fin de compte, à décevoir Batouté. On a besoin de mon tournanaïo, ma consultation. Il faut voir que mon Kondiamboka, dans l'article 74 de la Constitution, le président a appelé à prêter serment. Quand on a prêté serment dans le poteau Bakoumani, je jure de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Quand à l'obi bongo, enyolo banim, yende mutaza zuzi aroyeba intérêt général et zanini pour na peuple wana. À partir du moment où il y a monique intérêt général ango, ezo simba biente, azomo na batubazo lia malamute. L'hôtelier qui est au salle malamouté, l'économie qui est malamouté, à ce moment-là, la décision est au joie, moi, je cale les autres salles, ma gauche, à droite. À Monique, il y a intérêt à peuple, mieux vaut, à l'oukaye, à ceux qui n'y n'y montent, à l'y conduire, à l'oukwana. Yangwana, à sali annonce, wana, tant que sali annonce, wana, à l'inkoloba, à reconsulter, à reconsulter, à reconsulter, à reconsulter, à leader d'opinion. Oui, wana toyebi, à reconsulter pour baninga nanga bazé belé bazo maloba.
toi et consultation salamara. Oui. Ngai na tuni et qu'on se mette en place n'engeni ni pour bas élection et puis ça biso déjà configuration politique au toi et bi. Olobi mon konzambo ka prétari serment même ko la prétari serment atomo la rapé au babengi constitution te. Oui. Constitution beaucoup li konzi amboka oyo a sengeli ko tosa na ba circonstances nyonso. Oui. Beaucoup li konzi on essaie puis ça biso schéma toi et bi majorité toi et bi opposition. Alors, union sacrée de la nation qui va se mettre en place. Non, na lobi boye. Makamo nga zoloba na yibi yango te. Eza na mobeko likonji. Donc, mokonja mboka loba ki yango, babilo komisusu même conventionnel, oui, qui va exister. Yango te mouté kou dépassé ba obligation na constitutionnelle. Et la kisi ke bozo kou malibala. Yé juge, yako ye ba, na moment tel intérêt ya population eza wapi. Et ce qui a monique et zali wanate aligné à tuna mboka ba imboka ce qui y est ndengazo sentir eza bongoto eza bongote pe sa biso ba cas de figure et koko mema ewapi mais yé ki yé ka mutayebi yé le seul juge zayé ngana rôle ba na place na été ce que mema biso wapi la seule chose otoyebi c'est que yé kaka et puis aloba ki ce quoi silici ko consulter à ko revenir et pas ya peuple po yebi sa peuple ba décision mikano na ezani. Oh, donc, une partie à Batubazo Sengae, à quoi il peut y avoir qui a Abou Malibal à la FCC, qui a dissous de l'Assemblée nationale, mais quand on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Et quoi il y a une surprise, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a dissous de l'Assemblée. Mais papa, on a un peu de temps, il y a un garant, il y a unité, il y a nation. Il faut veiller à respect à la Constitution. Tant qu'on a respecté la Constitution, autant qu'on a un peu de temps, on a Mobeko le conseil lobby tant on n'y a rien que dissoudre le parlement ngongango na makambango ko kana yité donc beaucoup est que pousser vers photo anaté. Une autre question sur l'actualité avec Rachel Kitita, c'est que le discours du président n'a pas dit c'est le délai ou le timing de ces consultations. Est-ce que vous en avez parlé? Parce que le chef de l'État a dit qu'après les consultations, il reviendra pour donner les grandes lignes ou ce qu'il aura décidé bien après ces consultations. Ça prendra combien de temps? Est-ce que vous en avez discuté, vous, au sein du gouvernement, madame, ou en tant que porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous avez une idée de ce qui... Vous êtes assez futé pour ne pas connaître la réponse. Le président de la République a dit que je vais consulter. Et à l'issue de ces consultations, lui-même n'a pas donné une indication. Comment voulez-vous que moi, je suis que porte-parole du gouvernement? Et même si j'étais porte-parole du président de la République, je serais en difficulté de dire ce qu'il n'a pas dit ou de lui faire dire ce qu'il n'a pas souhaité dire. Pourquoi le président a préféré parler des consultations à la place du dialogue? Non, dialogue, c'est-à-dire que vous êtes à deux, vous êtes en train de rechercher une solution. Mais lui, il est dans la posture, je vous dis, du garant du bon fonctionnement des institutions, du garant de la nation. Il est là, dans cette posture-là, je vous dis, le constituant lui a donné à lui tout seul cette prérogative d'interpréter ce qu'est l'intérêt général à un moment donné de son mandat. Et à partir de là, donc, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui ouvre, c'est lui qui dit, d'après moi, ce qui ne va pas, regarde ce qui est advenu depuis que je suis président de la République, eh bien, il y a ça dans ma fonction de président de la République, il y a peut-être des obstacles. Dans le fonctionnement du gouvernement, il y a des obstacles. Dans le fonctionnement du Parlement, de l'armée, etc., dans l'insécurité, on ne perçoit peut-être pas, il n'y a pas assez de moyens, etc. Et il veut consulter pour en savoir davantage par rapport à sa lecture à lui. Israël Mutombo, de Bosolona Politique. Makamwe monani polele, batobazo mona lokola sincérité, zalité na libala FCC na cash, ou eboti gouvernement, ou bino bozana ngolelo. Pambate na katiwana, mwa ko beta na makofi zali, de part et d'autre, boko yoganate. Sogi totali ou kansa lokola, ba pesa bino mo beko, bo pesa ka compte rendu à chaque fois, et pa ya ba autorité morale na bino ne sikete. Botosa le lenge makambo sengelo tambola pona intérêt à population to komi komona lokwa kutu entre constitution na accord à corps réseau la makas ko leka constitution. Alors soyi totali makambo oyo mokonzi amboka lobi et loko bobangi ndeko loba ke FCC na cash li bale kufi bobangi ndeko loba pamba te bokwa ko mesurer conséquences nango na kati ya batote mais yango wana ndeto komona bobangi ndeko loba pourquoi bozo banga ko loba na se pelara mingi ndengo jora ba conclusion avant utika muta peso ningi same bon ezay. Il y a un peu de ça, genre, pas d'ailleurs. Dans le Bible,
ce que zala ki bongo mbele aloba ki yango mais alobi yango te alobi bato nyoso même na musala zo salama ezala bato partout na ba kan nyoso bato baza animé ya bonne volonté ya rosala ke Congo etelim et donc baza na cash baza pena FCC ce que zala ki bongo te mbele angai koluka solution mususu Willy Kalengai. La question est celle-ci. Pourquoi on n'a pas essayé comme en France, parce que nous nous inspirons de la France, pourquoi on n'a pas essayé? François Mitterrand a été en compétition avec Jacques Chirac, il a été en compétition avec Balladur, avec Jospin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé ça chez nous? Pourquoi le président ne peut pas laisser la majorité diriger le gouvernement et lui garder ses prérogatives constitutionnelles? Pourquoi cette tâche-là lui est difficile? Pourquoi? Merci pour votre question. J'ai eu la chance de suivre un tout petit peu ces débats politiques en France en son temps. Je peux vous dire, et ce n'est pas à vous, vieux loup de la politique, qu'on doit apprendre cela, que ces cohabitations ne se sont toujours pas terminées à l'avantage de ceux qui croyaient l'emporter. Et il y a eu des soubresauts, plus que des soubresauts, au-delà même des humeurs, il y a eu des actions, des sabotages. Souvenez-vous de François Mitterrand qui avait Jacques Chirac collé à son dos chaque fois qu'il partait dans des conférences internationales. Souvenez-vous des ordonnances proposées par le gouvernement de Chirac qui n'ont pas pu être signées en temps voulu par François Mitterrand, qui exigeait des conditions extraordinaires. Dans l'autre temps, c'est le pays qui perdait. Et quand vous voyez des pays de longue démocratie comme ceux-là tâtonner dans un système comme celui-là, de cohabitation, vous pensez que vraiment nous, qui sommes encore une démocratie jeune, avec tout ce que nous avons comme convoitise sur notre pays, des gens qui tiennent à ce que ça ne marche pas, qu'on se rentre dedans, vous pensez vraiment que c'eût été la bonne direction? Non, moi je pense que le chef de l'État et l'ancien président de la République en se sont dépassés pour proposer cela. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. La justice élève une nation, disent les Écritures saintes. Très chers téléspectateurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus à faire de la République démocratique du Congo un état des droits où tout Congolais est égal à la loi. Pas de justice pour le pauvre, pas de justice pour les riches, encore moins pas de justice téléguidée par les décideurs. C'est une rubrique que nous ouvrons par une question qui sera posée par Willy Kalengai. Aujourd'hui, on accuse le président de créer une république des juges. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on veut d'une justice indépendante, mais on a aujourd'hui les opérateurs économiques qui se plaignent. Parce que dans toutes les entreprises aujourd'hui, des juges ont un pouvoir extraordinaire. Willy Kalengai, la question. Aujourd'hui, vous allez à une convocation pour donner les informations. Le soir, vous vous retrouvez à Makala. N'importe quel juge, n'importe peut arrêter n'importe qui aujourd'hui. C'est pour ça que je demande au ministre, si la justice est effectivement indépendante, ne sommes-nous pas déjà dans la République des juges? Non, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Séparation de pouvoir oblige. Je suis membre du pouvoir exécutif, mais je ne peux m'empêcher de constater que ce que vous évoquez arrive. Et le président de la République, lui-même, en plein conseil des ministres, l'avait déploré. Il avait demandé que chacun joue sa partition. Il ne faut pas qu'on voie des magistrats ou leurs bras séculiers, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, aller dans les entreprises, ce qui n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'aller rechercher et constater les infractions. Mais il faut que l'infraction, il faut qu'il y ait un début de conviction de l'existence d'indices, plus exactement, de ces infractions. Or, lorsqu'il y a mégestion, etc., ça c'est des fautes de gestion, etc., ça c'est les entreprises ont leur structure, ils ont des collèges de commissaires aux comptes, ils rendent des comptes à l'Assemblée, générale, la Cour des etc. Il y a la Cour des comptes qui peut constater aussi, mais c'est plutôt plus pour les entreprises et publics qui sont du domaine de l'État ou des institutions. Et donc tout cela, il y a des mécanismes, et donc
Tout ce qu'on a vu, le président l'a déploré parce qu'à un moment donné, il y avait des OPJ qui rentraient dans les entreprises, les agents de l'ANR, les agents des services spéciaux, etc. Le président a tapé du poing sur la table pour dire que nous sommes dans un état de droit. Chacun doit faire son travail tel que prescrit par les textes qui l'organisent. Rachel, et... une question sur la justice. En quoi est-ce que la nomination d'abord, puis la prestation des serments des trois juges, selon vous, monsieur le porte-parole du gouvernement, ne viole pas la Constitution, comme le dit le Front commun pour le Congo, d'ailleurs, qui n'a pas participé à cette prestation de serment. Je prends l'exemple aussi des membres du gouvernement du FCC, mais également les présidents des deux chambres du Parlement, absents lors de la cérémonie de prestation non, de serment. Non, mais tout cela a commencé au moment où le président de la République a procédé à des nominations. Le Premier ministre étant absent, son pouvoir étant dévolu à un vice-premier ministre qui faisait l'intérim, celui-ci a contresigné les actes du président présentés par le gouvernement et au président de la République. À partir de là, il y a eu un débat. Ce débat, apparemment, il a été clos de notre point de vue, dans la mesure où le vice-premier ministre était dans son rôle, d'après nous. Le président de la République a nommé des hauts gradés militaires, il a affecté à la Cour de cassation des magistrats, des hauts magistrats, qui étaient membres de la Cour constitutionnelle, et il devait pourvoir à leur remplacement. Il l'a fait d'après tous ceux qui connaissent le droit, et autrement que ceux qui l'interprètent d'une certaine façon. Le président de la République a fait les choses proprement selon le droit. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une procédure, eh bien, vous entamez les voies de recours éventuelles. Il appartient, moi je ne veux pas polémiquer là-dessus, il appartient, pour autant que les membres d'une certaine famille politique ne se satisfassent point de la procédure initiée par le chef de l'État, que moi j'appuie naturellement, eh bien, ils n'ont qu'à procéder à la saisine de la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution ou le seul organe habilité à interpréter la Constitution pour voir si le président a oui ou non violé la Constitution. Thierry Kambundi a une question sur ce chapitre concernant la justice. Dans les Kamboka et prestations à serment, vous se retrouvez dans le palais du peuple, président de l'Assemblée nationale Azate, président du Sénat Azate, chef nao direct premier ministre Azate, ba collègue nao ya FCC Bazate. Ça on l'a dit Thierry. Oui, non mutuna ezali attitude na bango. Yo juger ango ndenge nini. Mais pour ngai bazana ba conviction, bazana la lecture na bango ya ba texte. Oyo ngana zana ngote, ngana la lecture mosusu lecture nanga président Tshisekedi azui ba décision eza conforme na constitution. Bango ba moniteza conforme na constitution jet. Mais au lieu to bundaka to komana ba journaux to le barabelo bara non to ki ne ressaisir cour constitutionnelle. Yo peso rebona ra que président viola ki attitude na linga za nemo na bango donga o boycotter pe. Ah mais na imaginer que le président viole constitution ndenga jura wana. Na je le vois pas ndenga o jura. Na to na ta motu na ka moko. Allez-y. Za ka moko négocier là. Tango zo lo bana zo kansa lokola ozo loba na kombo ya cash nzoko zo esengeli loba na kombo ya gouvernement po ndengo zo benga ndanga maloba mingi lokwa moto loba na kombo ya cash o defend parti na bino alors que sengela ko tala pe ozo loba manangambo FCC nyo suppose wa makanisi nga motu ne zaka moko na katsa likambo bato ba loba ke Kabila président ya kara waza sénateur a vu na président la pibiko a lelo Tshisekedi ba ko wela ku constitutionnel soki likambo ngo ezali ba ko wela ku constitutionnel nini ebomba mina kati na kuwela wana Kabila zoluka konza ku constitutionnel te ukaka ba audio ya mende ya kala soki mongongwa lezaki ya solo koto balubite president pe poa konza penza malamo pona kuboya Kabila zonga na 2023 to makambo bile sengeli pa gere ku constitutionnel soki kuwela wana za solo nini bazoluka na kati lokola intérêt ndeko d'abord na inkoloba na tuna o tuna ngali boso na zali membre au gouvernement na za porte parole au gouvernement certes eza bongo mais na za pe citoyen. Question monsieur Kotou na wana citoyen position ni ninga membre au gouvernement so na ina loba en tant que porte-parole au gouvernement na kozwa na likambo etali justice institution mususu na bisaki bino so keza pour wana na za na gouvernement aza na loko koloba te alors pour etali soit disant lutte pour na kanga cour constitutionnelle nga na yebite
Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Première question sur le bilan du ministre de la Communication et Médias. C'est avec vous, Rachel Kitita. D'abord, la première question, c'est de savoir, c'est vrai, chaque homme politique son rythme, vous imprimez également votre marque, mais on est parti de votre prédécesseur qui avait l'habitude de beaucoup communiquer avec la presse, des conférences de presse hebdomadaires, et vous, vous venez, beaucoup de temps mort, on ne vous entend pas beaucoup, monsieur le ministre, cela est dû à quoi ? Chacun de nous a son style. Lambert Mende, qui est un condisciple avec moi, un de mes condisciples avec lesquels j'ai terminé l'université à Bruxelles, il a sa façon de faire, d'agir. C'est son bagou, sa façon d'être, ça c'est lui. Moi, on me trouvera peut-être quelques petites qualités aussi, s'il en existe. Et les gens étaient habitués à me voir donner des coups. C'est-à-dire d'une manière réfléchie, mais je donnais des coups quand j'étais dans l'opposition. Mais j'avais un adversaire devant moi. Aujourd'hui, les gens cherchent à ce que ça saigne. Comme c'est le temps où j'étais dans l'opposition, j'ai donné des coups. Et donner des coups, c'est une façon de parler, c'est une sorte de métaphore verbale. Donc j'ai donné des coups et ça faisait plaisir à ceux qui étaient de mon camp. Et ça déplaisait à ceux qui étaient de l'autre camp. Mais maintenant, mon camp, c'est lequel ? Mon camp, c'est une coalition. Et les gens, dans leur imaginaire, je peux me tromper, mais ils ont toujours le camp qui est avec moi, avec nous, comme étant un adversaire. Un camp adverse. Donc pour eux, ils s'attendent toujours à ce que je donne des coups. Mais moi, si je donne des coups, je donne à un coalisé. Pas forcément donner des coups, mais rétablir la vérité, parce que quand vous ne parlez pas non plus, vous laissez place à la suspicion à la rumeur qui prend les devants, surtout avec les réseaux sociaux. Troisièmement, parler, je ne peux parler souvent que de ce qui nous unit, cette coalition-là. Et ce qui nous unit, c'est l'expression de cette unité, c'est fait au niveau du Conseil des ministres. Et donc, je rends compte de ce que je fais au Conseil des ministres. Et la particularité, c'est que le Conseil des ministres, on n'a jamais connu ça. De mémoire d'anciens ministres, on n'a jamais connu ça. Cette constance-là, c'est le président de la République qui l'a impulsé. Et quoi, où qu'il se trouve, il se préoccupe du fait que le Conseil des ministres doit se tenir le vendredi. Et il est toujours là à une réunion d'exception près. Donc, là, c'est une nouveauté. Qu'on le veuille ou pas, on rend compte de l'action du gouvernement telle qu'elle résulte des délibérations du Conseil des ministres. Enfin, dans ce qui est de mon action au ministère, proprement dite, vous n'avez qu'à demander à tous ceux qui m'ont vu travailler avec les établissements publics qui sont sous ma tutelle, demander à la RTNC combien de fois les réunions du Conseil des ministres, des conseils d'administration se sont tenues avant mon arrivée. Ces réunions n'existaient pratiquement plus. Or, c'est l'organe d'orientation des décisions de la RTNC. Ces réunions, ces sessions ont repris. Quand, même dans la gestion des ressources humaines ou techniques, vous avez vu ce qu'il y avait. Et j'ai fait en sorte, en donnant les orientations, les instructions au conseil d'administration, que beaucoup de gens ont été réhabilités, beaucoup de gens qui étaient malmenés ne le sont plus. Les gens qui étaient calés en grade parce qu'il y avait des problèmes d'humeur ne le sont plus, parce que j'y veille. Et ce que je fais là, je le fais au Renatelsat, je le fais à l'égard de l'ACP, je le fais à l'égard du Comité national des migrations vers la télévision numérique. Et vous avez vu, j'ai réuni la presse à plusieurs reprises, les représentants de la presse que vous êtes, pour parler, pour échanger, afin de trouver des solutions. Vous avez vu le problème de l'UNPC. Il a plu à Dieu que cela trouve une solution, même si c'est une solution qui n'a pas l'assentiment de tout le monde, mais il n'existe pas de solution qui puisse satisfaire tout le monde. Rachel, on va terminer. Il n'y a pas que ça.
Regardez la problématique de la télévision numérique terrestre. C'est justement la question que j'allais vous poser, parce que c'est l'image également de la République démocratique du Congo. Vous avez vu dans quel gâchis, madame, j'ai trouvé ce secteur. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Ah ben mais oui, des chaînes de télévision sur la TNT. J'espère que vous suivez mes communiqués, vous suivez mes décisions. Il ne faut pas seulement se limiter aux communiqués, monsieur le ministre, il faut agir, il faut sanctionner, il faut... Rachel, est-ce que vous pouvez laisser, monsieur le ministre, répondre à votre question? J'ai trouvé... Pour commencer par tout ce qui est satellite, j'ai trouvé plus d'une dizaine de télévisions qui ont migré sur les satellites RASCOM, loués par l'État congolais. Mais tout simplement parce que telle avait été la volonté du pouvoir à un moment donné. Moi j'ai dit, ça ne peut pas continuer. L'État ne peut pas payer pour certains et faire payer d'autres. Pour ce qui est de la télévision numérique terrestre, madame, j'ai tenu 3 réunions en session semestrielle avec du comité de pilotage de cette instance que je préside. J'ai mis les choses au point. Les critères sont bien définis maintenant. N'accède pas au TNT qui veut, parce que c'est devenu un panier à crabe, un marché. Tout le monde... Mais attendez, si on laisse les choses comme ça, on aura plus de 1000 personnes qui sont en possession de leur autorisation d'exploiter, alors que les fréquences ne permettent pas cela. Et donc, nous avons commencé à réglementer cela. Vous avez vu les communiqués que j'ai lancés. J'ai commencé par consulter, parce que ça, c'est ma méthode. Si je l'avais imposé dès mon arrivée, vous aurez été parmi les premiers à crier. J'ai consulté la NEAP et les autres. J'ai avancé petit à petit, et puis finalement, j'ai dit qu'il faut de l'ordre. Il y a de l'argent qui manque à l'État. Moi, le Premier ministre me dit, voici tes assignations, vous devez m'apporter dans le budget de l'État autant de millions de dollars, parce que j'ai des services d'assiette. Eh bien moi, l'argent est là, mais personne ne veut payer. Il passe par des entourloupes. Moi, j'ai dit, c'est fini. J'ai fait les communiqués qu'il faut, que vous avez lus. Il y a un autre qui va sortir lundi, au terme duquel les sociétés, les éditeurs qui auront payé effectivement, ce sont ceux-là qui seront retenus. Et vous avez vu, c'est la première fois qu'on fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Il y avait des magouilles, mais j'ai mis fin à ça. Et ce n'est pas fini. Il n'y aura pas de faveur. Je le dis devant vous, peuple congolais, vous qui avez des manœuvres, vous usez des manœuvres pour avoir votre chaîne et vous ne voulez pas payer à l'État, s'il vous plaît, sachez que les routes, les hôpitaux sont construits avec cet argent de l'État-là. Alors, si vous voulez pas payer les 15 000, les 7 500 ou les 3 000 qui vous sont demandés, alors que dans d'autres pays africains comme où la TNT est ouverte, les gens payent jusqu'à 50 000 dollars. Vous le savez mieux que moi. Moi, nous, on vous demande, payez 15 000, vous rechignez. Et il y en a qui disent même qu'ils ne payeront pas. Ou d'autres disent, je payerai lorsque tel payera. Non, mais moi, j'ai pris mon engagement avec fermeté. Je vais me faire des ennemis, mais je crois que ces gens-là, j'aimerais beaucoup qu'ils ne soient pas des ennemis du peuple, parce que le peuple attend cet argent pour ses écoles, pour les soins de santé, etc. Je voudrais espérer qu'ils auront ça à l'esprit. Une dernière question sur le bilan de Jolino Makelele à la tête du ministère de la Communication et Médias avec Thierry Kamboudi. Est-ce qu'en tant que ministre, vous êtes fier il y a Radio-Télévision Nationale Congolaise? Merci Namotuna Nayo. Boyoka Kingai na Bundaki. Na Bundi parce que na lobi solution na ngai. Il y a pas problème wana nyo se zate ke na ye na bano longo la batim sala et puis na changer moto yo parce que na satisfaire moto te. Na lobi c'est une réflexion globale à laquelle j'inviterai les gens, les responsables de la presse. Yangwana c'est ce que j'appelais les états généraux de la presse. Et aussi à la chance est qu'au Salema parce que na niveau ya conseil des ministres le principe a déjà été adopté. Et Tikali te réunir par moyen, compte tenu de contraintes budgétaires, mais le principe, le conseil des ministres a décidé, la commission des lois a adopté ce principe-là. Donc, Ekosalama, banane barozala kuna, Ekosala bino borouya, Ekosala batoba droit de l'homme, Ekosala ba juriste, Ekosala ba avocat, Ezalaba magistrat, Ezalaba législateur, ba sénateur, ba député, Ezalaba spécialiste étranger, Ezalaba outil provinciaux, Ezalaba radio communautaire, etc. Binso tout Torokutana, Toloba, est-ce que radio, télévision, presse, Binso to Lingi, na 21e siècle, Otozali, est-ce que Yango Otozomon? À partir de là,
ba réforme kozala impulser ba recommandation nyoso europesama ba recommandation ane kozala couler sous forme ya ya ba disposition légale soit ba ba décret soit ba loi na ko landela yango. Mais avant de demander la qualité, il faut aussi penser au financement, monsieur le ministre, parce que moi, une fois pour le procès 100 jours, c'est juste une toute petite question, l'équipe par exemple de la RTNC qui a travaillé très tôt matin jusque très tard la nuit, ce jour-là on a suivi, je me rappelle plus très bien de la date, mais tout le monde a suivi, ça a été retransmis en direct. L'équipe technique de la RTNC a perçu 20 000 francs chacun. Comment voulez-vous que ceux qui travaillent à la RTNC produisent un travail de qualité alors que le financement ne suit pas? Oui, madame, vous avez raison, mais il en va de la RTNC comme beaucoup d'autres structures de l'État. Ce sont les moyens qui manquent pour faire en sorte que les gens vivent dans des conditions optimales. Et j'ai moi-même demandé aux gens du Renatelsat, aux gens de l'ACP, je me suis battu pour obtenir leur révision, la révision de leur barème. Et Dieu merci, ça a été fait il y a une semaine. Et donc, je pense que c'était pas un combat perdu d'avance. Ça avait l'air d'être un combat perdu d'avance, mais je l'ai, entre guillemets, gagné. Et tout cela renvoie à la problématique des salaires. Qui dit salaire dit économie, production. Production, il faut que ces conditions de production soient remplies. Et si vous avez la fraude ici, les gens qui cachent l'argent, les gens qui sont des multimillionnaires, qui ne veulent même pas payer les petites taxes, etc., et comment l'État peut-il avoir l'argent? Et c'est l'argent, l'État a un rôle de redistribution. Mais pour vous distribuer, il faut qu'il ait les moyens. Et ces moyens-là ne rentrent pas. Et voilà. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Excellence, Monsieur le ministre, la restauration de la paix, c'est une priorité du président de la République et du gouvernement que vous représentez. Vous êtes bien sûr porte-parole. Le chef de l'État a même dit qu'il va aller à Goma pour ériger son quartier général afin de restaurer la paix dans cette partie du territoire national. C'est une question préoccupante. Chaque jour qui passe, il y a des Congolais qui meurent. Ça sera la rubrique que nous ouvrons avec cette question posée par Willy Kalengai. Monsieur le ministre, le président de la République, dans ses promesses électorales et même dans son serment, avait dit effectivement qu'il allait pacifier le pays, qu'il allait prendre tout ce qu'il a comme moyen pour que le pays redevienne un pays fréquentable, un pays en paix. Est-ce que les promesses du président, on peut encore faire confiance à ces promesses? Il avait promis cela, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Merci, Monsieur Kalengai, pour votre question. Le président de la République a promis, certes, mais on s'est retrouvé face à des difficultés imprévues. Certes, c'est le pouvoir dans les prérogatives du pouvoir exécutif, c'est aussi d'agir. Et il a promis d'agir. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les moyens mis à la disposition de nos forces armées, de forces de sécurité, aujourd'hui par rapport à ce qu'il en était hier. Mais là, ce combat-là, c'est un combat atypique. Atypique. C'est pas une guerre classique où les gens se trouvent sur la montagne, vous êtes là, vous suffit d'avoir les missiles, vous connaissez, vous faites les calculs et vous savez où vous tirez, les gens meurent. C'est un combat, c'est une guerre atypique où les gens opèrent dans la brousse et puis ils sortent furtivement dans les villages ou font des embuscades et voilà. Mais ce qui est déjà vrai, c'est que on peut dire que ces forces de négatives sont déjà affaiblies et c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, ils sont dans des opérations qui sont atypiques. Mais reconnaissons quand même que même si nous sommes dans une situation d'insécurité que nous déplorons, et nous déplorons nos morts, surtout à l'est de la République, mais nous ne pouvons pas ne pas reconnaître aussi que sur les 145 territoires que nous avons, il y a dans au moins 120, il n'y a pas ces manifestations-là. Et dans les 25 autres, on voit que c'est là où se trouvent les intérêts miniers, les intérêts particuliers, les intérêts de convoitise de notre pays. Et donc, nous devons, et je ne suis pas loin de penser que tous ces gens-là font ça à dessein pour affaiblir l'État central.
affaiblir l'État central afin que l'État central n'ait les moyens. Ça, on va peut-être, on aurait dû en parler dans le discours du chef de l'État. Ce sont les, comme disent les Kinois, bazo tia ibakal. Makambebele bazo tia président bakal. Et ce bazo tia bakal, les apo a matate, mbongo bimate, pour peuple à tomboka, ou peuple à se plater, ou bien le baké. Avant, yé égal après yé. Non. Israël Mutombo, au niveau de la sécurité, une question pour terminer ce chapitre. Il y a solo, ta ko ndeko blaise azo boya ko pesa nga maloba, peso ki nazui yango azo lo mbangu ka zete. Ils ont mon la clair, na habité ce que ça. Alors, toke na likambo ya sécurité. Boutou ya lelo, pe mikolonyo so eleki na bunya bato bazo la terre. Massa sezo beta pe bazo boma bato. Ba ko deko ba ko sala passe. Mokonzi ya mboka na ba promesse no ya la kaka bato ki ndeko vande sika. Alobaki na mikolo ou tole kaka okena na goma pour na ko silisa passe ou ezota makambo sécurité na kati la ebite to komi wapi na likambo ngolo la crise ou makambo politique komi boy na ngina to na motuna pour lelo kimia ekota na mboka et si kanyo so insécurité zale ko senga ki je mokonza mboka za l'installer pour to zwa kimia tata mokonzi alobaki ya solo akoluka avanda mama moko ba kote kuna na goma afin na na est ya mboka pona alanda ye moko makamba ya ya armée mais ko koma tata mokonzi akomi na pouvoir asali pe ba constat a moni que problème ya Bunia ya Beni ya Ituri ezaka ka problème était que bodzi massage ebele bodzi ba danki ebele parce que bitumba za bitumba ba danki te ezaka bitumba ya ba avion te a constaté que ba ramification est belé et pour na ko sala ko longolelo ko na ba ramification kotati na ba mapinga na biso ya bo mona ki ya banda ko sala mouvement o peuple ya koto wana singa ki a bana ko changer ba tête mais changement wana ezaka kana likolote e kititi na ba o balandi landi wana biloko belé minembu to vandi biso nyoso wana makambu ya prestation ya ba serment dossier ya minembu nde to bosani na lingina ye bawa, pe bato ba swa pole. Odela ya invitation ndeko mwindo nzangi, a benga ki ndeko rubero na parlema. Po na kozwa pole na maetali likambo ya minembo. Position ya gouvernement kolandana na mbe bato soro o esengeli ndeko rubero azwa. Eza boni na likambo ya minembo. O etali minembo. Minembo, ezalaki boni, ezalaki nde, komini moko rural, baye ko installer bourgmestre wana ba installer na ndenge oyo biso to landaki ezaki de manière particulière le plus important c'est quoi mokonzi ya mboka tango atali salut ya peuple alobi ngai en tant que mokonzi ya mboka na annuler biloko na suspendre ba biloko na nyoso na ba installation na nyoso ngai maintenant atik en place commission commission wana yangonde muteko ya kopesa ma disons mosala ba recommandation au président de la République ako se baser entre autres na yango po kamata mikano lobby o etali gouvernement de ko na biso ya ministre ceux qui va bengier na parlement il faut tous à la solidaire na ye le reste eza assemblée muteko décider sort na ye parce que biso ba ministre toza contrôlé par le parlement. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Et on évolue dans cette émission, très chers téléspectateurs, avec la politique de bon voisinage et l'ouverture de la République démocratique du Congo. Le gouvernement au monde, le gouvernement congolais ont fait son cheval de bataille depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême le 24 janvier 2019. Quels sont les efforts fournis pour qu'il y ait une diplomatie agissante dans notre pays ? La politique étrangère de la RDC, c'est le thème choisi dans Question au gouvernement, réponse du porte-parole. Première question avec Willy Kalengai. Le président a fait beaucoup de voyages. Il est allé presque partout. Deux ans après, aucun rond dans les caisses de l'État. C'était une diplomatie de représentation où il avait vraiment les arguments pour changer. Nous avons compris aussi, je termine par là, parce que Blaise n'aime pas que je pose des questions profondes, que notre pays a des difficultés aujourd'hui financières. Nous n'avons pas pu mobiliser de l'argent à l'intérieur du pays, mais nous n'avons pas non plus mobilisé à l'extérieur.
C'est comme si l'arme de la diplomatie n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, la plupart de nos représentations diplomatiques sont presque clochardisées. Nous avons repris malheureusement l'image qu'on avait dans les années 90 avec des personnalités. Il y a même un diplomate qui est mort et dont le corps est resté à la morgue jusqu'aujourd'hui, 10 mois après. C'est ça notre pays aujourd'hui. Ça signifie que les moyens de convaincre les partenaires étrangers, c'est comme si nous avons perdu. Avons-nous vraiment une politique étrangère? Merci, M. Kalengai. Je suis surpris qu'un observateur aussi pointilleux que vous ait pu dire des choses qui ne correspondent pas à la vérité. J'avais entendu ce genre de cette floraison d'observation contre le président de la République. Tambolara, yeba mission belé, ba mission nezobotani. N'avez-vous pas entendu parler des appuis budgétaires du Fonds monétaire international? N'avez-vous pas entendu parler des dons de la Banque mondiale? Près plus d'un milliard et demi vont tomber. Et déjà, bientôt, pour les enseignants, plus de 800 millions. Deux fois les appuis budgétaires de plus de 360 millions. Vous pensez vraiment que ça sort du néant comme ça? Pourquoi les autres n'ont pas obtenu avant nous? C'est le président de la République. Ce sont ses voyages à lui. Ce sont ses contacts à lui qui ont produit cela. Alors, vous comparez les nombres de billets d'avion, de tours, de carburant, de jets, vous comparez ça à des milliards de dollars? Les résultats sont là. Quel qu'ait été le nombre de visites effectuées par le chef de l'État, en termes monétaires, le coût de ces visites n'égaleront jamais les appuis budgétaires que nous avons obtenus et les dons que nous avons obtenus. Et ça, il faut le mettre à l'actif du président. Le président de la République a été quand même associé au règlement de beaucoup de conflits en Afrique du Sud, en Afrique centrale, entre l'Ouganda et le Rwanda. L'image de la République démocratique du Congo a été rehaussée sur la place internationale. Aujourd'hui, vous pensez vraiment que c'est dû au hasard, le fait que le président de la République préside l'année prochaine l'Union africaine? C'est pas un hasard, c'est parce qu'on a vu que le Congo is back, comme disent les Anglais. Nous sommes en des retours. Et il n'y a pas que ça. La Goa, en anglais, c'est difficile à expliquer, mais ils ont des critères extraordinaires. Il faut qu'on vous voie sérieux, rigoureux dans vos politiques. Et puis surtout qu'on voit que vous respectez vraiment l'état des droits pour qu'on vous accepte, vous soyez éligible à cela. Mais c'est sous Félix Tshisekedi qu'on trouve ça. Alors, attendez. Regardez l'image de notre pays. Le président a été invité partout. C'est pas nous qui demandions. C'est pas nous. Ce sont les grandes puissances qui ont demandé partout où il est passé. C'est dire qu'il inspire confiance et les gens ont compris qu'avec lui, le pays peut se développer. Et donc, à partant de là, nous, les retombées sont là. Il y en a qui viennent plus tôt, il y en a qui viendront à mi-chemin, il y en a d'autres qui viendront un peu plus tard. Mais ce qui est vrai et certain, c'est que nous sommes sur la bonne voie et il n'y a pas meilleur thermomètre que le FMI et la Banque mondiale. Nous allons bientôt conclure des accords formel avec le Fonds monétaire international. Mais pour y arriver, il a fallu que le Congo montre, l'exemple d'une certaine gestion et qui puisse inspirer confiance. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes de Congo. En tout cas, c'est des choses qu'on n'a pas vues il y a 2 ans, 3 ans. Le Congo a vécu en autarcie. Personne ne voulait entendre parler ni du Congo, ni de ses dirigeants. Aujourd'hui, on commence à parler du Congo et de ses dirigeants. Une dernière question sur la politique étrangère de la RDC avec vous, Thierry Kambundi. Sur la politique étrangère de la République démocratique du Congo, na lingina na lobela nenge tozwaka ba voisins na biso. Monsieur le ministre, bako bengana ba congolais na Angola na nenge oyo ebeli ba bengela ba bengane na bango pona sina sala ba interview tango zara na opposition ozo condamné ba beti bandeko na biso ba bomi misusu. Bako bengana na Congo Brazzaville na ba mboka ozanzinga nzinga toyebi.
biso epai na biso réaction na biso zaka ya bayuma babeti mwana na yo azongi abi papa babeti nga epai voisin okero solola oto rotuno ke boma moto biso toye ba relaxa muscle te pourquoi to banga ka ba voisin na biso boye lokola Rwanda lokola Angola alors que basara bandeko na biso mabe mingi ba tosaka ba convention internationale te en la matière. Ndeko biso tolobaki toza état de droit. État de droit ezako respecter mibeko. Bato ali boso ba respecter mibeko amboka na biso eza biso moko. Na biso ba konzi. Soki moto abeti yo lobi fo zongi salikofi, tala soki ba komi yango na réciprocité na diplomatie zarate. Na tuni likofi. Mingi bazawa baza pe en ordre. Ngala zo lobana yo te. Soko lingi soki zalaki bongo mbele le puissant. Bato nyo so baza ba États-Unis bani mbele ba beta bato tous les jours. Ngala ndiko beta te. Zela. Na biboy. Faut à la motivation ni ni batouana baza ko expulser na condamné yango ti lelo na zo condamné yango parce que na estimé que il y a un côté humain qui manque na face l'agir de nos de ba pays africains o baza ko expulser bande ko na biso il manque un côté humain mais si on tali sur les textes tout ça bande ko mingi baza ko na la situation irrégulière ya solo ah pe bazali bo sala bango mais oui te awa se to kangi bango to bengana bango se to kangi bango to bengana bango to yebisa bango un zonga mboka na yo parce que au gouvernement d'appel en situation irrégulière a été mais biso to sala kango avec humanisme parce que to adhérer na ba instrument juridique internationaux o yezo singa biso to respecter être humain donc to ko sala makambo ndenge mo to ko imiter makambo mabete faut to imiter makambo ya malunga wale loko na okolo bano li solo ya ambassadeur à Rwanda esuka wapi parce que yo moko annonçaki na Top Congo. Je me rappelle que le gouvernement a besoin de mesures, Non, il y a gouvernement, il y a chef de l'État, il y a ambassadeur Rwanda, il y a Kolobanaete. C'est un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais alors qu'on a à ce sujet, il faut voir que ma campagne de la diplomatie, c'est sa particularité à la diplomatie, et ma campagne de la place publique. Makam nyoso oyo ekaka na diplomatie oyo réussissaka oyo esalaka mpenza ke simbi eza oyo batiaka na place publique mais ba mesure olakaka monsieur le ministre wapi yango po tomoni azana avali na ye nalakaki mesure moko te nalobaki noke gouvernement akosala boye natika loloba bongo te bosali ye nini kasi te natuni eske napesaki promesse wana je n'ai pas fait ça bosali ye nini non c'est pas que basali ye biloko wana nalobi no ça se traite au niveau diplomatique. Et au niveau diplomatique, les chefs d'État se parlent, les chefs d'État se parlent, et ces choses-là se règlent d'une manière ou d'une autre. Et donc, le plus important, Zali, est-ce que ce que Makamango s'est répété, voilà, tout le monde a dit Makamango, mais ce que c'est répété, c'est que quelque part, Solo-Laki, va régler le problème, ou va passer la recommandation, ben, injonction, dengue, corrige, ou salem. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Avec une économie extravertie, la République démocratique du Congo subit les caprices des marchés internationaux. Les prix des minéraux produits dépendent du bon vouloir des preneurs. L'inflation est galopante avec la dépréciation du franc congolais par rapport à la devise américaine. Et les fonctionnaires de l'État payés à un taux inférieur au taux du jour qui s'élève aujourd'hui à 2000 francs congolais le dollar. Les tableaux est tellement sombre qu'il faut une nouvelle politique monétaire pour décoller la place de l'économie congolaise. Les questions seront posées par nos confrères et on commence par Willy Kalengai. Monsieur le ministre, c'est la partie la plus fragile, la plus faible de notre politique, l'économie. Aujourd'hui, notre économie est plombée par le fait que la production a baissé et nous pouvons quand même reconnaître que nous sommes passés par la crise de la COVID-19. Mais en même temps, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'appui aux entreprises qui ont été frappées par cette crise. Mais de tous ces mécanismes, il n'y a pas eu un seul sou déposé aujourd'hui par rapport aux entreprises qui avaient été frappées. La FEC se plaint, par exemple, que alors que nous sommes en crise, la pression fiscale est la plus forte. Et aujourd'hui, toutes les entreprises se plaignent, surtout que le gouvernement, en voulant trop maximiser ses recettes, le gouvernement a même inventé des taxes. Alors, je reviens donc en disant, avons-nous les moyens de notre politique économique?
Ma réponse à la question posée par M. Willy Kalengai est celle-ci. Vous savez très bien, comme moi, que l'économie, c'est la conjonction entre ce qui est extrait, ce qui peut être conceptualisé, ce qui peut être, bref, ce qui est produit, et l'affectation de ce qui est produit, c'est-à-dire la vente, et ensuite les moyens que cela donne à l'État. L'État n'est pas commerçant. Donc ce sont les particuliers qui créent les richesses et qui l'État n'a qu'à créer les conditions pour que ces particuliers puissent créer les richesses. Et l'État, c'est à contre-coup, si je veux dire, qu'il perçoit à travers les impôts, les taxes, les moyens qui lui permettent d'être l'État et donc d'agir au profit de la population. Ceci étant dit, il faut quand même le reconnaître, nous venons de passer une période difficile avec la Covid-19 qui a affecté toutes les économies du monde. À titre exemplatif, vous allez voir que les taux de croissance des pays occidentalisés, occidentaux, pardon, ces taux de croissance en 2020 tournent autour de -4 à -5%, donc en dessous de zéro. C'est-à-dire que la production a été nulle, mais comme dirait l'autre, zéro coûte ou bien. Donc, et chez nous, nous avons pu limiter cela. C'est dans la nature de notre économie qui a fait que nous avons limité. Mais dans cette limite, nous avons été quand même largement affectés. Vous avez dit tout à l'heure que notre pays est un pays largement extraverti. Le plus gros de ses revenus proviennent de l'exportation. Et quand il n'y a pas activité d'exportation ou activité ralentie, naturellement, les revenus, les moyens sont maigres. Et sur plus, j'aurais dû terminer par là, mais je commence par là. Lorsqu'il y a, c'est ce que le président de la République a déploré, lorsqu'il constate, Bacal, vous êtes exportateur de cuivre, de cobalt, vous avez l'obligation de rapatrier 60% de vos devises en République démocratique du Congo. C'est votre argent, il restera votre argent. Vous le mettez dans votre compte, dans une banque privée, c'est toujours votre argent. Et cet argent-là, la Banque nationale va vous donner la contrepartie ou garder une partie pour la balance extérieure du pays, c'est-à-dire lorsque les importateurs qui sont au Congo veulent importer, ils passent à travers ce qu'ils ont comme argent en francs congolais ou en devises par la Banque centrale, etc. Et l'économie est les exportations, les importations sont soutenues par ça. Mais lorsque vous avez cette obligation-là de rapatrier cet argent, vous ne le faites pas. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que le niveau de la sanction qui va avec ces défauts de rapatriement, c'est une sanction faible, en manière telle que les opérateurs véreux préfèrent de loin payer la petite sanction et garder leur argent. Quand ils gardent leur argent à l'extérieur, c'est l'incidence directe, c'est la balance des paiements du Congo qui est affectée. Mais pour revenir à tout ce qui touche à la microéconomie, vous savez aussi que la Covid a affecté notre économie, donc même la production locale a été fortement affectée, et cela s'est traduit naturellement par manque à gagner au niveau fiscal, au niveau des recettes de l'État, etc. Mais s'agissant de la pression fiscale, je dois vous dire ici que nous sommes l'un des pays qui applique le taux le moins élevé possible par rapport aux pays africains. Donc on ne peut pas dire que nous faisons du matraquage, mais nous devons naturellement faire en sorte que notre pays décolle. Ce pays ne peut décoller que lorsque les conditions sont vraiment réunies, mais d'abord il faut que des valeurs soient respectées. Il faut que les gens sachent que là où je travaille pour moi, mais je veux aussi faire bénéficier l'ensemble de la société. Là, les gens qui vont contrôler, il faut qu'ils sachent aussi qu'ils font le contrôle pour que l'argent rentre ou que l'argent n'échappe pas à l'État. Parce que c'est avec cet argent qu'on construira les écoles pour nos enfants et la sécurité, les routes et les transports. Bref, quand vous voyez toutes ces conditions et ces entreprises minières, il y a aussi la problématique de la sous-traitance. La sous-traitance, attendez, ça peut produire beaucoup d'argent. Une société minière qui a besoin de main-d'œuvre locale ou de sous-traiter certaines de ses produits
ou équipement, il recourt à une société qui se trouve être une filiale ou une succursale de la même société. Donc l'argent reste entre eux. Alors qu'il y a des sociétés congolaises, et ici, je félicite le gouvernement d'avoir pris cette loi sur la petite, la sous-traitance, pilotée par mon collègue Kalumba. Et en dehors de ça, nous avons également la problématique des industries. C'est comme c'est l'intérêt des zones économiques industrielles spécialisées qui vont être implantées partout pour créer des entreprises avec moins de charges et donc permettre aux gens de travailler avec certitude. Il y a aussi la formation professionnelle. Nous avons des entreprises ici, des entreprises minières, des entreprises qui sont des activités lourdes, qui sont là, qui peuvent, des industries, qui viennent s'installer. Il ne vous a pas échappé, nous avons des Allemands qui vont venir. Et tout ça, pour revenir à ce qu'a dit M. Kalingaï tout à l'heure, vous dites, le président, quand il va à l'extérieur, il va se promener, il ne va pas se promener, il ramène de l'argent, des milliards. Et il y a encore récemment, vous avez vu les Allemands venir avec des projets de 25 milliards de dollars. Attendez, il y a 3 ans, vous n'avez pas vu ça. Alors, donc, quand vous voyez ça, vous voyez que toutes ces entreprises, quand elles vont venir, elles vont créer des emplois. Mais au niveau de la sous-traitance, nous n'avons pas des entreprises locales et congolaises qui peuvent capter ces marchés-là. Et non seulement ça, mais nous n'avons pas non plus parfois des travailleurs qui sont formés, spécialisés, des ouvriers qualifiés qui peuvent facilement travailler. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut faire au préalable, mais tout cela, je pense que d'abord, c'est des valeurs. Si nous aimons notre pays, si nous disons que nous devons travailler sans arrière-pensée pour prendre ce qui ne vous revient pas, ainsi de suite. Et si nous sommes rigoureux dans ce que nous faisons, ce pays peut décoller très rapidement. Et c'est justement après avoir constaté ces freins que le président, ayant à l'esprit ces primats-là, que ce pays est en situation de gagner dès lors que nous aurons la possibilité de mettre l'argent dans l'agriculture afin que, comme dit le président Tshisekedi, il y ait la revanche du sol sur le sous-sol. Ce pays, moi, j'ai la foi qu'il peut décoller avec ce leadership-là du président Tshisekedi, et je n'en doute pas, le reste c'est conjoncturel, mais ça peut passer. Israël Mutombo. Monsieur le ministre, dans le 53e conseil des ministres, a adopté budget à 6,8 milliards de dollars pour l'exercice à 2021. Il y a des entreprises publiques à l'État. Et ça, c'est une situation bon côté. Si les Indiens, surtout dans le cas de maladie à COVID-19, tous les gens qui ont été bisotés, ils ont été bisotés. Ils ont été 6,8 milliards de Koutawabi. Ils ont été bisotés. 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 Kasi na mitema na koloba makele na television bolobela likambo état de droit koto bakangi ba DG koto bakanga boye koto bakangi ba arrestation moko ya ba spectacle toza ko mona mais malgré ba arrestation eza multiplié mozali incapable ya ko mobiliser mbongo pote budget e matali kolo. Est-ce que to lo bango ezali sabotage ou eza ko salama pona ko komisa pamba kenkena ya chef de l'état na suka bato ba inaye. Merci Namotuna Nayo. Et le Kaliboso, au Italie, au lobby, budget, en gros, il y a un niveau de budget à 6 milliards, alors que ma compagnie à l'État, elle a un coût de sambongoté. Non, ma compagnie à l'État, elle a un coût de sambongoté, elle a un coût de sambongoté. Vous voyez, il y a un ancien à Jekamine, son lobby, bon, il y a un mouké. Parce que l'État, Jekamine, le lot, a comment vivre mingi, dans un partenariat. C'est-à-dire, j'ai quand même un mabélé naïe à Kabola mabélé place les années tous en akin au Kaboli lemba au pécian ou la compagnie telle compagnie wana yon a kati kuno zana mou actionnaire yo l'état yo j'ai quand même actionnaires il y a 30 40 ou rarement 50% mais batona bazana ba 50 60 70% commune ya lemba mabélé wana au pécian ou la compagnie wana au bossali binom balé joint venture. Bon. Donc, tant que compagnie est au produit, il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Donc, il y a vraiment des gens qui ont produit 400 000 tonnes de cuivre, 20 000 tonnes de cobalt, et on les a rajoutés. Donc, si Koyo, au Congo à produire 1 million, 1 milliard de tonnes, et non, qu'est-ce que je dis 1 million de tonnes de cuivre, et ça, Congo, teke o Jekamine. Non. Et ça, ma compagnie Wana, et ça, ceux qui près de 60 ou 70, ma compagnie Wana, Bango, Namayel, Nabango, Bango, Nambongo, Nabango, Nanding, va signer ma contrat, Bango, Ning, Timoli, Bajunu, Bango, va parvenir, Kobim Sambongo, cobalt, na cuivre, ya quantité Wana. Donc, il y a 400 000 tonnes où il y a Jekamine, il y a Kalatan, un maréchal. On compare à 400 000 tonnes à l'élo. Parce que 400 000, si on compare, on compare à Jekamine à l'élo. C'est vrai, nous avons un dirigeant à Jekamine à l'élo. On a dû des décisions vraiment relever la compagnie. Mais ils ont blagué parce que les décisions ont déjà. Donc, dans mon coup, c'est la compagnie à l'État, si on a dû déjà Jekamine. Jekamine a foutu à Soussoumbon, on a l'État, dividende. A foutu raté parce que ça va perdre. On foutu en bon côté. On a tra, SCPT. On a tra, Tikaliwana. La compagnie ba SCPT. Et foutu à son bon côté. Donc, bon et ou tara kunate. Bon et ou taming et ben po. Et ou tara taxe. Donc, sur l'activité économique, ça m'a mené. Ba toi refoutu à ben po na DGI. Ceux qui ba importation et ça m'a cassé. Ba toi refoutu à ba droit taxe na DGDA. Ceux qui ba activité. Moussous administrative et Zamakasi, par foot en bon on a DGDA. Mbon wana nyoso, yango moutezo permettre de se tocoman à niveau an. Donc, n'ayant pas ce qui tous à la force et allé pendant les zongi kota Jekamine, et zongi bamiba, et zongi n'ayant pas souhaité moussous, nous assure que t'auras quoi atteindre banan wana. Et puis, biso awa, soko tali, pays benabiso, c'est-à-dire ensemble la richesse, ou les anam bokanabiso. Nombre ba quantité ba cuivre ba nzete ba bilanga ba nini tout ça auto zanango et les cas ba 60 milliards mais toujours produire biso de budget na biso ça veut dire quoi toujours capter ba mbongo wana nyo sauter mingezo kende en fraude fraude wana yango moni tata mokonjati makamba nani inspection générale ya finance ati ba contrôle mususu ba organisme mususu po epekisa la peur du gendarme étant le commencement de la sagesse motuna mi balé ala kitina tuni motuna ngabi mais ndenge ni bozo gérer mboka alors que budget a bino eza très faible bozaka na ba restauration ya ba spectacle okangi bato na makambo ya covid 19 et makambo ya maison préfabriquée na lino mbongo ezonga kate bokango be bato me mbongo ezonga kate moto ebi kata ibi 20 millions ake ouvana na l'état. Si vous avez une prison à 5 ans, vous avez une prison à Mosolo. Un prisonnier mais riche à vivre. Vous avez une prison à et mon ami, le col à Bato Bazo, vous avez une saboter quinquennat à Félix Tshisekedi. Vous avez une prison à répondre. Vous avez une bon, alors, on a aussi une prison à la justice. On a un gouvernement, côté exécutif. Donc, on a une prison à l'aspect Wanate. Parce que, dans la justice, on a rendu. Na ba conséquence nango eza makambo j'ai un point de vue en tant que citoyen mais naroi ko exprimer ngwa te en tant que membre nini bozo sala pour bon mobiliser recette il faut ba établissement na biso ba service public à l'état o unyo sezo e code saraba mbongo il faut absolument to pesa ba assignation c'est à dire sote lobby yo ané oyo yo za na DGI yo za na DGDA yo za na DGRA ané oyo ndenge to moneli économie ndenge makambo lika na côté na yo il faut code sa biso 100 millions. Eh bien, ce qu'on coûte si en côté, redevabilité, et ça, et là, peut-être, ils ont manqué de son anticipé, mais, là, il y a un peu de temps, il y a un redevabilité. Nous continuons cette émission. On parle maintenant de COVID, la santé, avec COVID-19, qui bouleverse les consciences humaines, monsieur le ministre, à travers le monde, et même en République démocratique du Congo. On a vu les efforts fournis par les gouvernements pour essayer de limiter les dégâts dans ce secteur. Et pour ouvrir justement ce chapitre, nous demandons à Willy Kalenga de vous poser une question. Dans un pays où nous sommes dans urgence des urgences, comment le gouvernement, qui a quand même mobilisé des fonds, ne peut pas payer ceux qui travaillent pour la santé de tous? Quel est le problème? Pourquoi on ne paye pas les gens qui travaillent dans la riposte?
Merci, M. Willy Kalingay. Il y a un principe économique simple, c'est que vous ne pouvez utiliser que ce qui est à votre disposition. Nous ne cachons rien, nous. Nous disons que nous sommes en difficulté financière. Et les explications, je venais, une partie de ces explications vous ont été données ici, sur les raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a la fraude, il y a la capacité de ne pas mobiliser assez, et puis il y a aussi le fait que notre économie est extravertie. Il nous faut donc demain faire de l'agriculture et du développement rural, vraiment et même de l'environnement, des sources de revenus. Et ceci étant dit, lorsque les moyens sont difficiles, sont rares, on les affecte aussi de manière un peu plus sélective. Donc on peut s'il vous plaît, d'une manière un peu plus sélective, c'est-à-dire on donne. Nous avons des besoins. L'enseignement a des besoins. La santé a des besoins. L'économie a des besoins. Bref, les priorités sont nombreuses, mais les moyens sont limités. Nous ne nous en cachons pas. C'est la situation que nous avons trouvée et une situation que nous voulons renverser. Et partant de cela, je peux vous dire que nous sommes conscients, le président de la République, le premier, de difficultés qu'éprouvent nos frères et sœurs qui participent à cette au comité dit de riposte. Et ces gens donnent parfois de leur vie. On a vu des médecins mourir, des infirmières mourir. Parce qu'ils n'ont fait que leur devoir et ce qui leur apparaissait comme étant leur devoir, c'est-à-dire ce pourquoi ils ont étudié, c'est-à-dire rendre service, soigner. Et je leur rends un hommage tout à fait appuyé ici, parce que sans eux, je ne sais pas comment on allait en sortir. Moi-même qui vous parle, j'ai été atteint de coronavirus. J'étais quasiment certain que je mourrais. D'ailleurs, dans mon environnement immédiat, ceux qui me connaissent savent que j'ai perdu un peu très proche. Plus qu'un proche, c'est un frère. Et je peux vous dire que le travail abattu par ces gens-là, l'abnégation dont ils ont fait preuve dans le soin, dans la prise en charge, mérite que l'État les récompense, pas les récompense, mais pense à eux. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Mais les moyens sont limités. Et je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, la situation qui était la leur, jusqu'il y a une semaine, un mois, n'est plus pareil parce que les paiements ont été accélérés en leur faveur. Mais certes, les besoins sont nombreux. Il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a bref, il faut veiller à ce que tout le monde soit contenté, si j'ose dire. Au sensibiliser batoa wa mingi pour na maitali COVID-19 au sali ba conférence de presse na monaki ba carnaval autorisé au kenoko sala kuna na ba wera na monaki bande kwa misa ndenga na monaki pe ba sai ba esobe na njile zaki succès malamu na oyo salaki na likanisi wana outiko kenenkamba awa outiko kenana kamba voyage ya kamba ememi nini na résultat ya COVID-19. Leo, communication à COVID-19 est là. Question Israël. Question. D'accord. Allez droit au but. Il y a Liboso, na tunio, voyage en Kambati, na langue Zalaki Nini. Il y a des cas à Touri, à Kobeta, au Kangisa photo, na papa, pour pouvoir mingi à Batoto, au Kagouta, à Kuna. COVID-19, il solo na langue les animes. COVID-19, baka et mati, communication et s'affaiblir. Toko miwa pina likambo. On l'a dit, il y a une sensibilisation au gouvernement. Tozo ke nango api, est-ce que nakenda yiko sa la tourisme était dans Kamba, nakenda yiko sa mbote na papa. Tant on a sali, boyebi, domaine wane zalaki ya ministre à santé. Bas peignoso, curatif, na sensibilisation, nyo se zalaki na ministère. Mais ezalaki mo sale belé ndeko nanga eteni aza débordé. Makamususu moi salango penza font ezate parce qu'azo landelana bato bazulinga kokufa sur le champ. Et c'est ainsi que le président de la République, la chef du gouvernement basenga kingai na en tant que ministre de la communication na tala ce qui possibilité à communiquer et à sensibiliser ça autrement ezali. Ngai na salini na lobby
un, il faut na viser le bosso, na telle population, notamment population kinoise, n'engazali conseil. Ma message nous sommes aujourd'hui à la télévision. Ah, Covid, oh, Kosola, boy, oh, tout ça. Maman, zana, yoga comme mamboka, mutukuti nave. Donc, l'équipe qui engage na suko coach kuna, mutukuti nave. Donc, osakuna, pour y avoir comme un prince, on sale à deux heures. Alors, en même temps, les kabamai, tant aux yawana, courant, tantôt plus tôt. Mai, tout le bâté. Mais au Roya, Moutouana l'a réuni à la télévision. Or, Batouana, Bazar, les plus peuplés, Batouni, la Tchango, Batouni, l'Angalie, Batouni, à gauche, à droite. Donc, on dirait un message, n'a pas besoin de tout le monde à Batouana français. Or, Batouana français, Basi Bayeba, sur Ayoki, Ayoki, Malamoko, Koti. Mais le peuple, a Zoyo Kati. D'où, stratégie, n'a pas besoin de Batouana. Pendant que Solana Batouana, n'a pas besoin de disposition, il y a Roulukanini, leader d'opinion. Leader d'opinion, il y a Batou, Bayebana, au peuple, Wana, ce qu'a moni bango azala kakiria mona bango yango bomona kingai na associé ba Werason na ba Sali Banzembo ba Alesh ba Sali Banzembo ba Inos B ba Sali Banzembo ba ba ndimia bango nzambe pe ba Sali ba frère Patrick ba Tebele Bele na associé bango poni pona visibilité na du peu ba acteur ba comédien ba Sai Sai ba Isobe ba Kwikwi et ba Tebele Bele nati bango étape ya suka e kobanda semaine oyo e kozala ba spot ya ba leader wana bromona boroka moi mais na annoncé bino déjà pour vous sentir jusqu'à quel point bato wana basa baza pénétré na pas sur biso toujours risque to mona pour mona le cardinal Mosengo lui-même a koloba corona ezali azope sa ba conseil bromona ba kan pasteur Kankenza bromona ba pasteur Walo bromona ba prophète Konde Bakusala banini. Et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a l'église kimbangiste, le principe est que les malades ont besoin de bateaux, besoin de manzambete. Besoin de manzambete, donc pas de bangoué au comaté. Tant que nous avons un nombre de bateaux, il y a un peu de kimbangiste. Dans le bac, il y a un peu de ndenge moko na kino sala ba tourner na ba école b'école ezala ya Kinshasa awa ba finaliste na ke opesa bango ba kit ya kosukula maboko ba dépliant on a expliqué coronavirus na Lingala les 10 questions clés ya corona na les 10 réponses na Lingala na pesi bango ba gel na kena ba école na Congo central na Kisantu na Mbanzangungu na Kasangulu etc. Et puis na kesi kawa nazo kene prochainement na kitona et pas na kuti situation bande kona biso ba militaire na basi na bango na ba na situation moko difficile photo sunga bango nazo na lobina kene nkamba na ken kamba na yambi papa yambi ngai c'est un honneur ayambi ngai na passer 3 jours na kamba eza eloko moko na roki ko bosana ka yangote basala nga ngote na leader spirituel ya ndengwana mais eloko nga na obtenir muto moko obtenir ngwa avancer. Papa ndimi pa lobake na rondima to ndimi to oya ko teya parce que soki ba kondi nikola yo o du mikano ya ba kondi papa Tshisekedi ko ye ko po oya ko teya biso ce que azana préoccupation à population na biso na ndimi banda lelo ba pesa toli na bande ko nangai ye moko ye a sokoli maboko a du ba déplier en pessimisme près de 15,000 personnes banda ikuna et je peux vous dire que tant que comme un centenaire l'année prochaine, vous avez des centaines de milliers yabat au Baroya. Imaginez. Vous avez un petit Nabounia. Total, ça vous compte. Non, nazo qui ne malin malin, mais na banana na province où ils aient quand même la Kinshasa. Na okene na Kwango. Mais même bat atayo moro. So otiki yo quartier no vanda kolan. Otiki ango bongo kena na minembo. Bat wa comprendre. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Thierry Kambundi. Actualité za rentrée scolaire. Bana bazongi kelasi, bana mingi bazo tanga te ba boti bazo lela. Ba lakisi balobi, ba nouvelles unités il faut ba futama. Eza promesse ya gouvernement. Bokomi wapi na likambo wana. Et puis kaka na plan social, olobele yango mingi na rappelera tout le temps kozalara élu ya Kinshasa, ya l'une des communes les plus populaires. Soko tali na kisasa ma ezate, courant ezate. Kulu na ekomi makasi na makambo nyonso bakino bazo rencontre ba mbuteyage pona baso de moteur bozoko ka osilisa te. Gouvernement azo sala nini po plan social a résoudre ba problème wana. Merci. Question liboso tuna ki ya ba kelasi.
Botikangana loba wake makambo mokonja mboka sali Félix Tshisekedi na promesse ne phare réalisation esa peuple réalisation phare esa gratuité et enseignement gratuité wana nyolo bani bana oyo amike oyo bazali kokai kokende ba classe te lelo bakomo kene classe parce que professeur Félix Tshisekedi albi classe ya bana ezala ofele pe komi ofele ofele ça dire ofuta susté ba frère oyo nyoso bazali kofuta ofuta ngote yami balé. Il faut boye ba soki ba kotse le kono ofele conséquence nango zani tata to mama o bazaye ko bimisa 50 100 dollars pona mwana ba ko bimisa ngo soute eza gain ya pouvoir d'achat en d'autres termes 100 dollars ne o ye ya futa ou 200 dollars futa par trimestre mwana lelo akomi ko affecter ngo ba besoin mususu ya famille naye to ya bana naye eza gain ya pouvoir d'achat et yami sato to créer égalité entre bat poni ni mwana vandana na malweka azana moins de chances ya ko se développer comme université ya comme ministre président de la république que mwana vandana na Gombe mwana vandana na Montfleury président de la république justement parce que aza le peuple d'abord albi qui peuple wana il faut peuple wana pas avoir chance de développement de la même façon que bana nyo sa Congo de manière égalitaire et puis batola je faut batangi sabango na ko comment si ko na problème ya Il y a des enseignants. Tu es au coup, tu es non payé. Donc, tu es à Bétara, à Tangisara, mais tu ne fais jamais. Alors, tu es au lien de l'île. Soit tu es au lien de la COP, il y a un proviseur, un directeur, au Béta, sur le dos, il y a Bana, sur le dos, il y a parents. Soit tu négocies le point de Bana. Voilà pourquoi tu es au bateau, tu es au papa, tu es au il faut foutre bango lelo. Par la grâce il y a politique à Félix Tshisekedi bozal sous na ba non payé té bazaté bato bazala qui non payé bango tout ba komi régularisé bazan paiement to tikale sous na ba nouvelles unités bato yo ba yaka sika to prendre bango net bazan bato mais na kati wana po futa bango to salaire boso contrôle wana yo ko pesa biso par rapport à 400 000 bazala liboso bayeko bima o bazala ba remplir ba conditions aux enseignants près de 145 000 seulement. Mais la 145 000 wana, toro futa bango mbala mon côté parce que mboka ezana pasi situation financière nane bongite. Yango to yokayi to bano futa bango par palier, to futi trimestre, to futi année prochaine, to futi mwanda to zobani ko. Mais lelo nani akoyi ko ndima ke enseignant akoyi ko toucher 170 dollars. Nani yango. Ezalate. Lelo et comme il lengi mutayo kakena ko sala pédagogie dans sala bo pona que l'on pèse à cours école primaire ou école secondaire pose 170 dollars non na lobby hein ça dit par rapport à 40 dollars yo zaki nango et ayi déjà ko attirer yo so ba yeli yo 170 dans satanga bon ba ministre va faire na préféré na joie 170 donc déjà waneza elo ko munene oyo to sali ba nouvelles unités tozo ke malem tozo na ba négociation na bibwa na ba syndicat na bango ba groupe na bango tozo ke malem be elo ko na ko bete na bango maboko awa ba syndicaliste on a bazo faire preuve ya patriotisme parce que ba yebi ke situation est difficile. Nous passons à la rubrique consacrée aux questions aux citoyennes. Nous allons prendre deux personnes au niveau du public qui est là pour poser certaines questions à son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. La première personne. Je me nomme Maître Albert Tshaba, je suis patriote indigné pour le Congo. Monsieur le Ministre, j'ai aimé parce que vous êtes juriste comme moi, mais ce qui me fait dire bien, c'est que vous avez des notions de fiscalité. Toutes les questions qu'on vous a posées par nos vaillants journalistes, les plus grands problèmes qui se posent, que j'ai retenu, c'est beaucoup plus problème de moyens. Moi, je me dis, avec 11 ans que je passais un peu au comité de suivi de la paix, je voulais poser une question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à installer une chaîne des recettes, comme nous avons la chaîne des dépenses, commence par l'engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. Pourquoi on ne peut pas aussi installer la caisse, une chaîne de recettes pour savoir combien d'argent entre par heure à Kasumbalesa, par heure ici à Loufou ou bien dans notre dans d'autres ports. Ok. La deuxième question. Et c'est la dernière. Vous allez faire comme les journalistes là. Non. Et c'est la deuxième et la dernière alors. Ok. Oui. Depuis très longtemps, là je voudrais un peu parler parce que un peu politique, vous êtes cash.
Mais nous avons remarqué que dans le gouvernement, comme ça a été dans le gouvernement de transition avec Tshibala, Badibang et les autres, les postes du ministère des Budgets, comme vous êtes quand vous êtes venu aussi, on vous donne ça, mais les postes du ministère des Finances, là où on mobilise les recettes, ça reste toujours dans les mains de votre partenaire qui est le FCC, depuis plusieurs années. À un moment donné, au budget, vous pouvez faire les dossiers, on traite, et quand ça arrive pour les paiements, on sélectionne. Et après, ça va dire que c'est un sabotage, ou bien, ou bien vous n'arrivez pas à renverser pour que peut-être Cash prenne les finances pour mobiliser les recettes et pour aussi avoir la possibilité de payer les dossiers les plus urgents afin que le peuple d'abord ne soit pas un slogan mais une réalité. Merci beaucoup. Je dois répondre immédiatement ou bien je dois... Allez-y, répondre. Excellence. Oui, la première des questions sur la chaîne de recettes, c'est en vue. Et d'ailleurs, les réflexions sont très avancées. Le système est d'ailleurs en voie d'être installé. Il en a été débattu même en Conseil des ministres, dans des réunions interministérielles. Et donc, c'est quelque chose qui ne va plus tarder, parce que c'est une nécessité. C'est vrai, il faut qu'on sache qu'à Kasumbalès, à telle heure, à Matadi, à Boma, tel importateur vient qui a importé tel bien, et il a fait telle déclaration sur base de telle chose, et on contrôle directement de là où ça vient, si effectivement il a importé autant de biens et de quelle valeur, pour que les calculs soient parfaits et que l'argent, la Banque centrale puisse anticiper aussi dans ce qu'il a comme ce qu'elle a comme politique monétaire. Deuxièmement, pour ce qui est de ministère, le ministère du budget, ça c'est, j'allais dire, c'est le fruit des négociations. Le fruit des négociations, bon, je crois que vous pouvez vous retrouver face à ceux qui sont censés être nos adversaires politiques, mais avec lesquels nous convolons en juste noce jusqu'à présent. Ils peuvent vous dire qu'eux, ils regrettent toujours de ne pas avoir le budget, ou de ne pas avoir la communication, ou de ne pas avoir... Bon, c'est toujours, c'est long. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un secteur important, et il est parfois malaisé en chef d'État de ne pas avoir la direction des finances ou le contrôle. Mais comme il y a une réforme de la Banque centrale qui a été recommandée par nos partenaires extérieurs, notamment le Fonds monétaire international, je pense que l'influence de ce ministère sera un peu atténuée. Mais de toute façon, je ne doute pas que les gens, si vous avez des gens sérieux, qu'ils soient de Cash ou de Lamouka ou de FCC, si les gens sont sérieux et patriotes, ils feront bien leur travail, nonobstant leur appartenance partisane. La deuxième et la dernière personne. C'est Maître Samuel Ndomba Belebele, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le ministre, nous avons plusieurs cours d'eau en RDC, mais il se pose toujours le problème d'eau. Nous avons plusieurs barrages, mais il se pose toujours le problème d'électricité. Il arrive même que les gens puissent payer ce qu'ils n'ont pas consommé. Maintes fois, il y a des factures qui viennent en répétition et on trouve des surplus chaque mois qui passe. Question. Qu'est-ce que le gouvernement préconise de faire pour que les gens puissent payer rien que ce qu'ils ont consommé? Et s'ils n'ont rien consommé, surtout quand il n'y a pas d'électricité pendant 2-3 semaines, quand il n'y a pas d'eau pendant 2-3 mois, que les factures ne puissent pas venir. Qu'est-ce que le gouvernement préconise quant à ça? Deuxième question. La deuxième question. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour que cette pénurie puisse quand même prendre fin? Parce que nous avons beau entendu des discours, mais cette fois-ci, concrètement, qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour mettre fin à cette situation et nous rendre quand même l'ascenseur? Merci. Merci beaucoup. S'agissant des infrastructures, vous avez dit tout à l'heure que nous avons des cours d'eau, nous avons des barrages, etc. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas l'eau, l'électricité dans les meilleures conditions? Tout cela, c'est un problème, j'allais dire, de gestion, problème de logistique. Bref, nous sommes redevables de cette situation-là que nous avons trouvée. Mais c'est vrai que lorsque on veut
changer cette situation. La voie choisie, à savoir taxer vraiment le client comme si c'était une bête, je ne la partage pas totalement avec les responsables de la Régie des Eaux et de la SNEL. Mais comme c'est une société d'État, il appartient aussi à l'État de venir en aide à ces sociétés. Or, je vous ai dit que les moyens sont limités pour l'État. Et donc, il faut que nous prenions ce problème sérieusement à bras-le-corps. Mais je sais, les contraintes sont celles-là, celles que je viens d'énoncer. Nous essayons de les résoudre petit à petit au fur et à mesure que nos moyens vont, disons, augmenter. Question au gouvernement. Réponse du porte-parole. Monsieur le ministre, vous avez toujours l'habitude de faire le compte rendu devant la caméra, mais aujourd'hui au moins vous vous êtes exprimé librement et répondu aux questions, aux préoccupations de nos confrères et notre consoeur qui est là. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette émission ? Non, cette émission est née d'une volonté. La volonté, c'est de faire en sorte que la population qui nous suit, qui suit l'action gouvernementale, soit imprégnée de ce qui est réalisé au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que chaque vendredi, en général, vendredi ou samedi, je rends compte de ce qui a été dit ou décidé au niveau du gouvernement. Je le fais en français. Et j'ai tenu à ce que l'ensemble de la population puisse s'approprier également ces décisions-là et puisse faire le suivi et faire pression sur les dirigeants que nous sommes afin que nous ayons ce devoir de redevabilité vis-à-vis d'eux. C'est comme ça que j'ai tenu dans la conception de cette émission avec IDG, qui est une partie dans une langue qu'ils connaissent mieux, les Lingala, et une partie en français que certains de nos compatriotes comprennent aussi. Et cette émission, je l'avais souhaité hebdomadaire, mais compte tenu de contraintes financières, je crois qu'elle sera peut-être bimensuelle. Et donc, on reviendra une fois tous les 15 jours pour qu'on ramasse peut-être les 3 derniers comptes rendus et on les exploite ensemble. Et donc, moi, je suis vraiment heureux de me retrouver devant un parterre de journalistes qui sont parmi les célèbres, si pas les célébrités de ce monde. Je ne flatte personne parce qu'ils sont imperméables à la flatterie, je le sais. Mais aussi avec un public qui a été vraiment à la hauteur. Et pour le reste, je demande que les délais soient accordés à ce gouvernement pour qu'on avance petit à petit. Bientôt, nous aurons un programme avec le Fonds monétaire international. Nous aurons des recettes qui vont augmenter et petit à petit, nous absorberons les besoins des populations congolaises, surtout les besoins sociaux de base. Et donc là, je remercie également la RTNC, naturellement, de m'avoir offert ce plateau et tout le personnel qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Pour le reste, j'ai dit, je sens un désir de vous retrouver. Voilà. Merci pour votre disponibilité permanente et le fait d'avoir répondu aux préoccupations des uns et des autres au cours de cette émission. Autant je vous remercie, autant je remercie les confrères qui ont été avec nous sur ce plateau, Willy Kalengai, Rachel Kitita, Israël Mutombo, Thierry Kamboudi, et je remercie également toute l'équipe technique qui a concouru à la production de cette émission, et une mention spéciale à Paulin Mukendi qui a conçu et qui en est le concepteur et le promoteur de cette émission. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver prochainement avec la même ferveur. Merci.